Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve, c'est pas vraiment un gameplay sur Far Cry 4, donc sur PC, c'est plutôt la présentation d'une fin secondaire, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment un truc prévu par les développeurs du jeu et les concepteurs du jeu. Je sais pas ce qui leur est passé vraiment par la tête à ceux qui ont travaillé sur cette idée là, mais ils ont fait en sorte que Far Cry 4 puisse terminé en tout et pour tout avec la cinématique de début. Donc là je pars, c'est vraiment le début du jeu, et en moins de 20 minutes donc on arrive à la fin du jeu. Donc fin du jeu, fin secondaire j'imagine, qui vous donne une partie de l'histoire qui doit être à mon humble avis bien erronée. Donc je vais vous laisser regarder l'intro et j'en reviendrai un petit peu dessus pendant le passage accéléré, où il va falloir attendre énormément de temps à rien faire, donc forcément le passage sera accéléré. Donc à tout à l'heure. Passeport. Respire. Laisse-moi parler, ok? Qu'est-ce qui se passe? Ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais? Ça a dégénéré. Dégénéré. Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh! Vous aviez un truc à faire, mais même ça, c'est trop demandé! Je ne crois pas connaître ton nom. Qui est-ce ?
C'est ton invité? Le genre silencieux, ça me plaît bien. Je suis vraiment affreusement désolé pour tout ça. C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes, et ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien tenir ça? Une petite seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif, et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure. Parce que j'ai dégagé mon agenda. Toi, moi, on va tout déchirer. Should I stay or should I go? À Ashley quand tu seras chez toi. Honnêtement, Paul, je dois bien dire que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe. Je m'attendais à plus de chaînes, de râles. Mais je te connais, je sais parfaitement que tu as une pièce obscure où les secrets coulent comme le sang. Ah, ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Et bien, retire-lui ce putain de sac de la tête. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois. C'est plus ça que j'imaginais. Bien, allons, présentons-nous. AJ Gale, notre invité d'honneur. Paul, notre hôte bien-aimé. Le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Paganine. Tu ne te souviens pas de moi, alors? Ta mère, elle ne te parlait jamais de moi, même en passant. On changera ça. Paul, j'ai besoin de cash. Combien il faut? Tout ce que t'as. Merci. Ah, voilà. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère, elle s'en doutait. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Que de souvenirs. Je n'ai pas revu Ishwari depuis plus de 10 ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça, elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non? Non, les hommes ne peuvent t'aimer qu'avec du recul. Une fois qu'il est trop tard. Donc, quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis en t'emmenant avec elle, oh, je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de sang-fumeur. Ces putains de terroristes. Ils dégueulassent tout. Même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner? Voyons ça. Donne le téléphone. Alors les gars, on fouille même plus les invités. Ah, je suis avec AJ Gale. La suite est mieux. À l'aide. Un SMS pour à l'aide. On n'écrit pas à l'aide, il faut le crier. Allez tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien, c'est parti. Allez, crie à l'aide. Crie à l'aide. À l'aide. Oh, c'est minable. Non, crie à l'aide. Je veux de l'intention. Viens du diaphragme. Chut. Attends, écoute. Rien. Je crois que tes amis viendront pas t'aider, mon pauvre. Donc on se reprend là. Je vais lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein? Bon. Allez, ne bouge pas. Mange tes raviolis au crabe. Reste là, je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on parle. Alors vous arrivez ici, vous faites quoi? Vous êtes avec cette espèce de psychopathe là, il vous dit pas bouger. Vous faites quoi? La seule chose que vous pensez à faire, c'est vous casser. Pendant la grande majorité des joueurs, je pense que c'est ce que tout le monde va faire.
Moi, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je me suis baladé un petit peu dans la maison et je suis vite parti. Donc, bah, j'imagine que celui qui a trouvé ça, il y a de fortes chances qu'il soit bah, parti faire autre chose et puis qu'il soit tombé dessus comme ça. Après, je sais pas ce qui est passé par la tête des concepteurs à vouloir faire un truc comme ça. Donc, bah, du coup, le gars. Enfin, si vous faites vraiment ce que le jeu vous demande, vous arrivez dans le jeu. En gros, moi là, je vais un peu bouger au bout d'un moment. Excusez-moi, je vais un peu bouger au bout d'un moment, mais là, vraiment, si vous bougez pas, vous touchez à aucun bouton, quoi. Toute cette partie accélérée qui va durer, là, va durer en tout et pour tout 3-4 minutes, mais normalement, elle dure une quinzaine de minutes. Eh bien, pendant toute cette partie-là, vous n'avez à toucher à aucun bouton et le jeu va se continuer à enchaîner la suite tout seul, quoi. C'est vraiment, voilà, il vous demande de ne pas bouger. Si vous l'attendez que vous ne bougez pas, bah, écoutez, ça va se faire tout seul. Donc là, moi, en attendant, hein, je sais ce qui va se passer. Donc je fais vite fait un petit tour de la salle, histoire de passer le temps. Normalement, je suis bien censé, bah, comme la plupart des gens feraient, hein, se barrer et explorer impatiemment le jeu en lui-même pour pouvoir s'amuser un peu et profiter de ce que ce joli monde vous offre. Rien qu'à regarder comme ça, ça donne envie. Mais non, on va patienter et on va attendre. Donc pour rectifier un peu l'histoire que j'ai pu vous donner dans le premier gameplay, où je pensais, j'avais pas dû bien regarder, sûrement pas du tout même, que bah, sa mère en fait est décédée, elle vous envoie pas juste dans le pays récupérer quelque chose, c'est pas récupérer quelque chose, déjà c'est remettre quelque chose, déposer quelque chose, c'est les cendres de votre mère tout particulièrement, donc je dis méchante maman, mais non, excusez-moi, je me suis un peu trompé dans l'histoire. Du coup, après, là, avec cette fin un peu particulière, vous allez en apprendre un peu plus, ou disons une version différente que ce que vous auriez dû apprendre dans l'histoire normale, que la grande majorité des gens auraient fait normalement. C'est pour ça que je dis normal, parce c'est que fabuleux. Toi, je pense si on écoute bien ce que vous dit le jeu, vous faites ça parce que vous attendez qu'ils reviennent. Les raviolis au crabe, hein? Ils... sont super. Bon, très bien, allons-y. Donc, après avoir attendu un bon gros quart d'heure à table, eh bien, monsieur revient, donc... il revient. Donc dans la vraie vie, un quart d'heure, attendre un quart d'heure comme ça peut être... Dans un jeu, ça paraît beaucoup plus long. Un temps d'attente dans les jeux qui paraît fort inutile dans la vie de tous les jours. Tu sais, enfin, je suis tout de même un peu surpris que ta mère ait demandé la ramener jusqu'ici. Merci, camarade. Vous voulez que je vous suive?
Mais enfin, bien sûr, les cendres ne vont pas se disperser tout seules. Et ton père, est-ce que ta mère t'a jamais parlé de lui? Non, jamais. Mohan, le grand protecteur du Sentier d'Or. Un vrai connard. Il l'a prostituée en l'envoyant m'espionner. Mais on s'est aimé. Donc, t'as dit lui bien ton père. Et c'est là que Mohan a montré son vrai visage. Le rebelle. Il vous a poussé à fuir, ta mère et toi. Il a même tué ta sœur, Lakshmana. Ce qui nous amène ici. Lakshmana. C'est bizarre, je comprends pas trop. C'était son fils à lui ou à le voir enfin réuni. Amène-toi. Enfin voilà, sans parler de l'histoire en elle-même, il faudrait que je le fasse entièrement et que je joue vraiment toutes les étapes du jeu. Mais voilà, en gros, si quand vous êtes à table, vous ne touchez strictement à rien, de toute manière, la cinématique va se lancer. Vous arrivez là avec l'urne de votre mère à déposer. Donc en gros, la première fois que vous allez toucher votre manette, on va vous demander d'avancer, d'appuyer sur croix pour déposer l'urne. Et c'est tout. Donc si vous allez faire un petit demi-tour, hop, lire le petit bouquin qui se trouve ici, enfin même pas le lire, vous allez juste le récupérer. Et là, vous n'êtes même pas obligé de le faire, logiquement même, ouvrir la porte et c'est terminé. Bravo, vous avez fini Far Cry 4 sur PC. C'est bon, ça va mieux. Donc moi c'est la version 1.0 que j'ai, donc ça va peut-être être amené à disparaître si je sais pas, la communauté de joueurs se plaint un peu trop de cette fin très très spéciale. Et donc voilà, je sais pas, mais je trouve ça quand même très intéressant comme, comme style de fin. C'est bien pour ça que je vous le présente sur ma chaîne. Pour ceux qui l'auraient pas vu, qui en auraient pas entendu parler ou qui s'intéresseraient pas spécialement à le jeu, hein, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est vraiment en bonus. Et voilà, donc salut à tous et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!